Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça y est, nous sommes connectés. Coucou à toutes. Ça y est, je vois que vous êtes là. Super. Coucou Héloïse, Nati, Mumu, Marotine, Annie, Isabelle. Super. Ça a l'air de fonctionner. Comme d'habitude, les petits réglages. Vous le savez, le son, l'image, n'hésitez pas à me dire si tout est ok. Coucou Mini Harmonie. On entend les coulisses. Ah, et oui. On prépare tout avant, mais bien sûr. Coucou Cécilia. Coucou Isa. Super. Alors, comment vous allez toutes aujourd'hui? Tout est ok, Mumu? Bon, c'est super. Merci beaucoup. Ça va tout le monde? Vous êtes en forme aujourd'hui? On a l'impression, Oui, on a l'impression, c'est vrai. Coucou Karel, ça va ma belle? Petite pause avant de reprendre, ma petite Karel. Je pense fort à toi. Super, tout le monde a l'air d'être là. Vous arrivez petit à petit, c'est génial. Coucou Nathalie, tu vas bien? Et bah oui, aujourd'hui on est mercredi, il est 14h. Et comme prévu, j'ai encore ma petite assistante avec moi pour mon plus grand plaisir. Coucou Elsa, je n'ai rien préparé, je suis en plein killing. Pas de problème ma belle, t'inquiète pas, tu feras ça en replay. Coucou Aude, ça va ma belle? Pause déjeuner Karel, bah oui super. Coucou Laurence, coucou Martine. Héloïse, tu vas au top? Bon bah c'est super, oui nous on va plutôt bien, ça va, tout est prêt, on est heureuse de vous retrouver, de partager ce moment avec vous. Coucou. Coucou Elsa. Coucou Marcel. Coucou Martine. Oh, ma routine du killing, c'est un sacré boulot, tu verras, Elsa te montrera. Bonjour Christine, comment ça va? Bon, super, ça a l'air de bien fonctionner, tout le monde a l'air d'arriver tranquillement. Donc, on va pouvoir commencer. Coucou Béatrice. Coucou Coco, décidément, tu t'en sors pas avec tes opérations. Hein. Bon, bientôt tu seras tranquille, ça va le faire. Bonjour Muriel. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Harmonie Marais, je vous présente Lila Marais. Bonjour. Je suis démonstratrice dans la famille Stampin' Up depuis janvier 2020. Et nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 novembre et nous nous retrouvons pour le live 83. Et oui, chaque semaine. Le mercredi à 14h, on se retrouve pour un live créatif. Et c'est toujours un moment hyper sympa qu'on partage ensemble. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en live dans les commentaires. Bienvenue Anita, je vois que vous êtes nouvelle. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie, en tout cas. Je l'espère. Laetitia, elle a décidé de parler en anglais aujourd'hui. I feel good. Magnifique. C'est pas une musique, ça? Oui, c'est ça. Alors, coucou Jocelyne, je regarde les lives mais je ne me manifeste pas. Ma petite Jocelyne, bah écoutez, en tout cas, c'est gentil de le faire aujourd'hui. Bonjour Angélique, bonjour Candice. Et Ticia. Ticia a décidé d'être anglophone aujourd'hui. Écoute, parfait, je te préviens, la prochaine fois, c'est toi qui chantes. Hein. Et en anglais, de surcroît. Attention, le prochain Zoom, tu vas voir. Bonjour Karine, Sébastien, bienvenue à vous. J'espère que vous allez passer un beau moment. J'ai l'air enrhumée? Non, je suis pas enrhumée. Ça va, merci beaucoup. Oui Elsa, tu vois, tout arrive, j'ai un petit peu chanté. Disons que j'ai vite fait fredonner. Hein. Ça s'appelle pas chanter. Hein. Bonjour Nathalie, comment tu vas? Je suis super contente que tu sois là sur le live. Justement, on se posait la question de savoir si tu y serais ou pas. Alors, bienvenue à toi. Coucou Gazelle, seulement si tu fais le live en anglais. Alors là, non. Non, 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 non. Je ne ferai pas de live en anglais, ça serait une vraie catastrophe. Et vu comment les traductions se fait en plus, se font pardon, en plus, ça serait pas une bonne idée du tout. Non, non, non. Un jour, pour l'anecdote, on était en live avec Aude d'ailleurs, en crop au mois d'avril, et il y avait des sous-titres et tout ça sur les lives qui étaient proposés.
Et on a parlé de la crocodile et ça a été traduit en crêpe à l'ail. Donc franchement, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Coucou Christelle, coucou Karine, oui, on va très bien, merci beaucoup. Oui, tout nouveau pour toi, Nathalie. Oui, je sais, effectivement, et je suis ravie, ravie de t'accueillir. J'espère que je te retrouverai régulièrement sur les lives, en tout cas. Alors, les petites nouvelles de la semaine, vous le savez, on est en pleine promo incroyable en ce moment. J'essaye de lire vos commentaires en même temps que je parle. Laetitia, ouais, bah tu vois, on est pareil, hein. bienvenue Rouben. On va se passer de l'anglais. Oui, on va se passer de l'anglais, Gazelle, je suis bien d'accord. Donc, je disais, on est en pleine promo incroyable en ce moment. En plus, c'est des promos qui sont cumulables. Donc, c'est vraiment incroyable. Vous le savez, on est en période de promo saisonnière. Et attention, hein, attention, ça se termine demain. Et en plus, cette promo, vous pouvez la cumuler si jamais l'envie vous prenait de rejoindre, pour mon plus grand bonheur, ma petite équipe de la team Harmony Scrap. Ouais, vous voyez à l'écran, vous pouvez cumuler les deux. Je vous dis pas, vous pouvez avoir un kit de démarrage au top du top. Alors, qui sera la prochaine à venir rejoindre mon équipe, à ton avis? Je Tu sais sais pas, pas. hein? Je sais même pas qui y a en gros. Ouais, ça va être compliqué, hein? Qui va oser venir me rejoindre? Tu crois qu'elles vont avoir envie? Tu crois? Bon, je suis assez gentille. Oui. Elle a pas dit ça tout à l'heure. C'est vrai? Ma choupette. Voilà, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour y répondre. Et puis, vous trouverez aussi plein d'infos sur mon blog harmoniescrap.fr. Autre petite chose aussi, je vous rappelle que les inscriptions pour la box mensuelle, pour la box de décembre, les inscriptions sont ouvertes et ce jusqu'au 20. Vous le savez, c'est toujours du 15 au 20 du mois que les inscriptions sont ouvertes pour la box suivante. Donc c'est le cas en ce moment, nous sommes en plein dedans. Il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints d'ailleurs et ça me fait super plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est pareil, vous trouverez le lien sur mon blog et si vous galérez un peu, vous m'envoyez un petit message et puis je vous le donnerai, il n'y a pas de souci. Oh les yeux qu'elle fait à sa maman. Mais oui, mais elle aime sa maman, sinon elle ne serait pas là. Pas eu encore le temps de passer ma commande, mais elle est prête, elle part ce soir. Oui, car elle ne traîne pas, hein, demain c'est fini, hein. Et puis, il y a une autre petite chose aussi dont je voulais vous parler avant qu'on démarre le live créatif. Un petit rappel, voilà. Oui, je vais faire attention à ce que je dis. Carré, venez, venez, c'est une marraine géniale et juste adorable. T'es trop mignonne, toi. Béatrice, elle te fait des gros yeux, fais attention à ce que tu dis. Oui, je vais me méfier, surtout qu'elle est très proche de moi. Alors. Oui, un petit rappel sur les kits, les collections de kits que l'on a sur la boutique en ligne. Surtout, n'hésitez pas. Vraiment, il y a plein de belles choses. Ça peut être des choses que vous offrez, ça peut être pour vous qui êtes débutante ou débutant, parce que je ne désespère pas avoir un petit peu plus d'hommes qui se mettent à scraper. Hein, parce que ce n'est pas uniquement réservé aux femmes, on est bien d'accord. Hein, et ce n'est pas Crapouillet qui dira le contraire puisqu'il est mon filleul et que c'est un homme, jusqu'à preuve du contraire. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la collection des kits. Vraiment, ça peut être génial pour démarrer, par exemple. Merci Fatou, c'est trop mignon. Mais du coup, Faut profiter au max. J'ai raté un bout, j'ai raté un bout. Elle est où, Nathalie? là. Ah, faut profiter un max des enfants, ça grandit trop vite. Oh oui, ça, je suis bien d'accord. Je suis bien, bien d'accord. Donc voilà, allez faire un tour sur la boutique en ligne, dans la rubrique collection de scrap, et vous allez voir, vous vous retrouverez avec des boîtes hyper complètes et vraiment pas chères, avec tout ce qu'il faut dedans pour faire plein de cartes ou de boîtes. C'est vraiment le top du top, surtout quand on est débutante. Donc n'hésitez pas, foncez. Oui, ma chérie. C'est quoi un scrap? Oh, c'est de la création de carterie, par exemple. Je ne sais pas qui est Tioté Mohamed, mais voilà, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, nous allons basculer sur l'atelier et nous allons voir ensemble la
création que nous allons réaliser. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire, n'est-ce pas? Oui. Ouais, on est d'accord. T'étais perdue, ça y est? Oui, Je l'avais perdue déjà. Bien, allez, on bascule. Alors, les fameuses petites pochettes. Donc, celle-ci tient dans ma main. J'en ai fait deux. Voilà, c'est le même papier, mais j'ai juste inversé les plis, vous voyez. Donc, quelque chose de très simple et très joli que vous pouvez utiliser pour différentes choses. Tu veux te rapprocher, ma chérie? Non, c'est Pour pas ça. différentes choses, pour une déco de table, ou alors aussi, autre possibilité, faire un petit trou, ajouter un petit ruban, et puis le mettre en déco dans votre sapin, par exemple. Voilà. Mais je suis sûre que vous aurez aussi, vous, plein, plein, plein de belles idées pour utiliser et détourner ces mini pochettes qui sont méga simples. Des plis, il n'y a même pas de coupe à faire. Donc vraiment, nickel. Ça marche? Ça vous dit? Là, vous voyez, j'ai réalisé avec Jardin d'Éden. Et oui, c'est la collection qui est sortie en avant-première, en exclusivité ce mois-ci. Oui, pochette cadeau, Mumu, exactement. Qui est en édition limitée concernant le papier et les embellissements, donc ne tardez pas si elle vous tape dans l'œil. Merci Marie-Thérèse, c'est adorable. Donc c'est une collection qui est vraiment magnifique. D'ailleurs, je vous ai mis les papiers ici pour que vous puissiez vous rendre un petit peu plus compte de ce que sont les papiers design. On est sur du papier 30-30. Voilà, je vous l'approche un petit peu. Voilà, on a des papiers qui sont dorés, vous voyez à l'image. C'est vraiment trop beau. Et donc, systématiquement, je vous fais la présentation recto, verso, hyper joli. Et puis, avec ce papier design, on retrouve un set de tampons, bien sûr, Jardin d'Éden, avec des sentiments en français qui sont super jolis. Ok, Gazelle, il n'y a pas de souci. Des découpes qui sont incroyables. Vous voyez par exemple celle-ci, là je l'avais découpée, ça fait un super cadre, c'est magnifique. Ici une étiquette d'ailleurs. L'étiquette on la retrouve ici, je l'ai un petit peu coupée justement. Voilà, pour qu'elle s'adapte à ma pochette. Donc ça aussi c'est possible. Des petites bordures, des petits feuillages, vraiment c'est extraordinaire. Et on a des magnifiques embellissements qui sont très originaux, vous voyez, ils ont des formes assez différentes, celle-ci un petit peu plus allongée, c'est vraiment trop trop beau. Donc surtout n'hésitez pas. Coucou Patricia. Alors j'ai une infirmière avec moi, je vais la convertir, les personnes, je vais convertir les personnes soignantes. Et écoute, pas de problème. En tout cas, ma petite Patricia, tu prends bien soin de toi. Je te fais plein d'énormes bisous et j'espère que pendant cette petite heure, tu vas réussir à te divertir. En tout cas, je vais m'y atteler. Et j'embrasse donc toutes les infirmières qui sont à côté de toi. Et Lily aussi les embrasse Oui. d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais travailler avec une autre collection. Vous le savez, j'aime bien utiliser des collections différentes. Et aujourd'hui, on va travailler avec Lily. Avec quoi on travaille aujourd'hui? Endroit paisible. Endroit paisible, une collection en noir et blanc qui est magnifique, vraiment superbe. Pareil, on a toujours un petit peu de brillant, mais cette fois en argenté. Hein. Vous avez vu? On a des petits chalets qui sont vraiment super mignons, des flocons. Vraiment de quoi faire des créations absolument magnifiques avec ce papier. Les couleurs coordonnées très simples, ardoise bourgeoise. C'est mon gris préféré, sachez-le. C'est celui que je préfère par-dessus tout. Le gris souris, le noir évidemment. Et puis le papier argenté qui est super sympa pour les collections. Pour les créations de Noël, pardon, brillantes et tout, j'adore. Mais moi, je Oui. trouve que cette collection, Oui. ça fait Noël, Noël, comment on dit ça, moderne. Et l'autre collection, avec le rouge Noël normand, en peinture. oui, et ben ça fait plus, Traditionnel. ouais. Plus traditionnel, ouais. Tu trouves que c'est plus original? Ouais. Ouais, voilà, ben, on est d'accord. Alors, c'est parti, on va commencer. En fait, c'est très très simple. Il vous faut très très peu de matériel pour réaliser ces mini pochettes. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, les mesures que j'ai préparées pour faire ces mini pochettes, Nati, elle est d'accord avec toi, tu vois.
C'est à la base un papier 15-15, enfin 15,2 par 15,2. D'accord? Donc on va la réaliser avec ces mesures-là. D'accord? Et puis je vais vous donner après deux autres mesures pour que vous puissiez en faire une moyenne et une grande. Et je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Je ne l'ai pas décoré, j'ai juste fait la base pour que vous puissiez vous rendre compte des dimensions que ça peut représenter en comparaison à celle-ci. Ok? Alors, c'est parti, vous allez voir, c'est hyper simple. Hop, je prends ça. Je prends ça. Alors. Je vais toujours. T'as toujours pas fait la boîte à ton médecin, Nati? C'est pas bien. Il va pas être content. Alors, j'attrape juste un set de tampons pour tout à l'heure que j'ai oublié de prendre, mais que. Ah, si, il est là. Hop, ça sera pour faire mon sentiment tout à l'heure. Donc, mon papier 15,2 par 15,2, d'accord? Jusque-là, rien de compliqué. Merci, Maroutine. Donc, ce fameux papier. Non, il veut me mettre au régime. Il n'est pas gentil s'il veut te mettre au régime. Alors, je prends mon Stampin' Pierce parce qu'en fait, pour marquer les plis, c'est génial ce petit tapis. Le principe est très simple. Nous allons dans un premier temps. J'ai un aimant collé à ma règle. Et nous allons venir marquer un pli en diagonale. OK? Peu importe le sens. OK, on démarre celui-là, celui-là, peu importe. Et je viens plier, tracer ma diagonale. Alors, comme je suis sur le tapis, je n'ai pas besoin d'appuyer trop fort. C'est l'idéal. C'est quoi le tapis? Eh bien, le tapis est un peu en mousse. Et donc, c'est plus facile de marquer le pli sur de la mousse que sur un plan de travail qui est plus dur. Le plan de travail, en fait, ça oblige à appuyer un petit peu plus fort, voire beaucoup plus fort. Pour marquer les plis. OK. Voilà, donc on y va tranquille. Hop. Donc maintenant, il me suffit simplement de rejoindre tout ça. Hop. Mais... Nathalie, j'adore ce tapis. Ouais, il est vraiment super pratique, on est bien d'accord. Vraiment, pour donner des formes aussi au cœur des fleurs, par exemple, c'est l'idéal. Alors, voilà, j'ai plié mon carré en diagonale. Coucou Maddy, comment ça va? Bien. La prochaine étape, elle est très simple. Elle pourrait être sautée, mais vraiment, je vais vous donner les meilleures astuces pour pouvoir le faire tranquillement. En fait, d'ailleurs, pour cela, je vais vous montrer le schéma. Regardez, vous allez voir. Dans 2 secondes. Hop, voilà, ça va s'afficher normalement si tout va bien. Voilà, vous avez à l'image le schéma. En fait, ce qu'on va venir faire là, c'est 2 petites marques à 6 cm. D'accord? Pour venir marquer un nouveau pli. Et vous allez voir, c'est très, très, très facile. Donc maintenant que vous avez vu le schéma, je vais le faire en direct avec vous. Donc, je vais tout simplement prendre ma règle, me servir en fait du pli diagonal que j'ai fait ici, et je vais faire une marque à 6 cm. Et vous allez me dire, mais on l'a fait où la marque? Eh bien, tout simplement, je vais m'arrêter, vous voyez, hop, ici au bord. Je vois qu'ici, j'arrive à la fin du papier. Donc je vais me faire ma petite marque ici, puisque j'atteins les 6 cm, en me servant donc de la du pli ici. Ok? Donc là j'ai ma petite marque à 6 cm. Et puis je vais descendre et je vais faire la même chose. Hop, là je suis un petit peu trop haute. Voilà, donc ici ça sera mon début. Ici j'ai 6 cm. Hop, je fais ma petite marque à 6 cm. Coucou Delphine, ça va ma belle? Et en fait, du coup, il ne me reste plus qu'à venir rejoindre ces 2 petites marques en marquant le pli. Alors,
Hop, je positionne mon outil. Je viens marquer mon pli ici. Voilà. C'est vraiment la petite subtilité très très simple pour cette mini pochette. Voilà. Ok, donc là, on a ce petit pli qui est là. Hop, j'y vais en douceur. Je me marque comme ça pour que vous voyez bien. Hop, on se retrouve en fait avec ça. Ok? Alors, maintenant que c'est fait. Oui, ma chérie, ce sont des intrus qui sont sur les lives régulièrement. Donc, je replie mon papier, d'accord? Et je vais le retourner en ayant le pli que je viens de faire face à moi. D'accord? Donc, j'ai mon triangle comme ceci. J'ai mon pli qui est sur le dessus, ici. D'accord? Coucou Marion, coucou Fabienne. Alors, Fabienne, aujourd'hui, nous réalisons des mini pochettes surprises dans lesquelles on peut cacher des plein de petites choses ou les transformer en déco de sapin, par exemple. Merci Coco d'avoir bloqué le vilain marabout. Voilà, je te les montre un petit peu plus près. Je te la montre, pardon. Voilà ce qu'on réalise, Fabienne, aujourd'hui. Alors, je disais, on a donc notre triangle avec le pli ici qui est vers nous. Le principe va être tout simplement de remonter le côté droit par ici et de l'aligner à cette ligne de pli. D'accord? J'espère que je ne vais pas trop vite. Je vais remonter ce papier et je vais venir l'aligner à ma ligne de pli ici. Voilà. Donc là, on va tranquillement aider le papier design à prendre le pli avec le plioir, comme d'habitude. Voilà. Oui, Fabienne, mais c'est top comme projet. C'est hyper simple. Puis du coup, on peut s'éclater avec la déco. Et on peut en faire de plein de tailles. Ok. Et puis, je vais venir faire exactement la même chose avec la pointe de gauche. Je la remonte et je viens l'aligner tranquillement avec ma ligne de pli ici. Ça va vite. Ça va super vite, on est d'accord. Voilà. Je donne tranquillement la forme au papier. Hop. Et voilà. Du coup, ça y est. Hop, on a notre petite pochette qui est quasiment finie. Plus qu'à décorer. Presque, il nous manque la petite pointe. Ouais, la toute petite pointe. Donc vous avez vu, on ne s'est même pas servi des ciseaux. Ça, c'est vraiment génial. Voilà. Et maintenant, je vais descendre ça pour venir le coller ici. Voilà. Pour cela, je vais utiliser mes glue dots, futur pliage de serviettes pour nos tables de Noël. Mais voilà une idée qu'elle est bonne, Héloïse. Effectivement, je n'y avais pas pensé, mais c'est très judicieux. Oui, oui, tout à fait. Comme quoi, le scrap peut nous servir à tellement de choses. Je prends un glue dots, hop, que je viens déposer ici. Hop. Et voilà, mon petit triangle. Eh bien, ça y est. Ma pochette est formée, vous voyez? Et maintenant, plus qu'à la décorer du coup. Et maintenant, plus qu'à la décorer. Ou pour mettre les couverts à table. Oui, je savais que vous alliez me trouver plein de super idées d'utilisation. C'est vraiment génial. Donc, voilà. Vous avez vu comme c'est simple et rapide à faire? Même les enfants, ils peuvent le faire. Je l'ai déjà fait une fois. Et Lila l'a fait aussi. Mais même les plus petits peuvent le faire. Je l'ai fait en même temps que vous, Anita. Ah, et Anita, vous l'avez fait en même temps? Génial. Vous avez vu, c'est simple à faire. Hein, et du coup, ça donne super bien. Bon, il va nous manquer un petit peu la déco. J'adore les fourchettes. Nati, tu me fais flipper parfois. Ok, donc la déco. Merci, au revoir, Monique. Ah, mais non, je suis encore là. On va faire un petit peu de déco quand même. Sur ma première version, vous avez vu. Oula! Ouf. Désolée. J'avais embossé mon message, alors je ne sais pas si vous voyez bien, en poudre à embosser doré. Et bien là, vu le papier, vous vous doutez que je vais le faire en argenté. Tu as vu ma carte fourchette, ta carte fourchette.
Je sais plus. Ah, mais si, oui, exact, tu as raison, excuse-moi. Exact. C'est vrai, c'est vrai. Alors, pour ma déco, j'ai déjà découpé dans du papier argenté ce magnifique flocon qui est super beau. J'adore. Qui est disponible dans un set de poinçons dont j'ai complètement oublié le nom là tout de suite, mais vous le verrez sur mon blog sans aucun problème. Vous avez la liste du matériel que j'ai utilisé qui sera sur l'article de blog, ne vous inquiétez pas. Regardez, vous avez vu comme c'est beau, comme ça brille. Donc, tout simplement, je vais venir le coller ici, mais je vais lui rajouter quand même un petit sentiment parce que sinon, ça serait un petit peu fade. Et du coup, j'ai déjà découpé tout simplement un cercle blanc dans mon papier. Voilà. Et je vais venir tamponner mon message que j'aurais pris cette fois dans le set petit bas bien garni. J'adore. Il est chaud, hein? Oui. Il est vraiment trop chaud. Et je vais utiliser plein de joie. Voilà, je voulais pas quelque chose de trop grand. Alors, hop, je prends mon. Ce sont les poinçons pleins de faucons, Carel. Oui, exactement. Merci beaucoup, ma belle. Ok, je prends donc mon tampon. Je vais prendre un bloc acrylique. Ça peut être pratique. Qui est caché derrière. Voilà. Hop. Ça va faire un petit rappel pour celles qui n'ont pas fait d'embossage à chaud depuis longtemps. Et puis, ça peut aussi aider les novices. Alors. Pour cela, je prends ma Versamark, hop, mon petit papier, j'ai mon tampon et je vais prendre ma poudre à embosser argentée. En fait, au moment de Noël, j'adore l'embossage à chaud, j'en fais tout le temps. Je trouve ça vraiment top. Elles sont par trois. Il y a la cuivrée qui est magnifique aussi et la dorée. C'est l'idéal, ça donne tout de suite un effet incroyable aux créations. C'est vraiment le top. Donc. C'est parti, je viens tamponner mon sentiment avec la Versamark. Voilà, je l'applique sur mon étiquette. Non, je ne tremble pas. Voilà, alors là, vous le savez, l'encre Versamark est transparente. Elle va nous permettre de recevoir exactement la poudre. Hop, je viens. Verser la poudre dessus. Voilà. Wow. Je tapote à l'arrière. Vous avez vu déjà comme c'est joli. Et du coup, il ne me reste qu'à chauffer. Mais avant cela, je vais tout de suite ranger ma poudre parce que les accidents de peau renversée sont dramatiques. Depuis que ça m'est arrivé une fois, je vous assure que je fais très attention à bien refermer tout de suite. Parce que sinon, c'est assez frustrant, je dois bien l'avouer. Hop. Alors, je vais maintenant prendre mon pistolet chauffant et je vais venir chauffer ma poudre. Je suis désolée pour le bruit, vous le savez, hein, vous avez l'habitude. Et encore, ceux-là, ils ne sont pas très. Le pistolet Stampin' Up, il est quand même relativement discret comparé à d'autres. Mais bon, voilà, hop, c'est super rapide. Et du coup, ça m'a rien qui fait genre. Oui, non, non, il n'y a pas que toi qui fais genre de bêtises. Renverser les trucs, oui, bien sûr. Vous avez vu comme c'est joli? Comprenez pourquoi je craque? Ça brille, c'est trop beau. C'est tout simple. Mais ça donne tout de suite une autre dimension à nos sentiments. Et du coup, je vais pouvoir venir le coller ici sur mon flocon. Donc, je vais venir coller mon flocon d'abord. Hop. Les glue dots, c'est parfait pour ça aussi. Hop. Juste au centre ici. Voilà. Comment le sentiment? Et ben je vais le coller sur mon flocon avec des dimensionnels. Enfin deux, pas plus, hein, me semble-t-il, ça devrait suffire puisque mon sentiment est assez petit.
Ah oui, mais il y en a plein des intrus, c'est comme ça, faut faire avec. On les ignore. Voilà. Et je vais venir coller, hop, mon sentiment sur mon flocon. Ça brille de partout, c'est trop beau. Et la petite touche finale, hop, des perles métalliques argentées aussi, bien sûr. Esther à 8000 comptes. La vache. Oups. Elle était encore vivante, elle. Elle s'est sauvée. Une petite perle ici. Voilà. Vous avez vu comme c'est joli, ça rend tout de suite super bien. Une autre, tiens, ici. Et encore une autre. On va la mettre là. Voilà. Et voilà. Du coup, on a des mini pochettes qui sont super choux. Hyper faciles à faire, vous savez, pour les projets de dernière minute. Évasion d'une perle en direct. Oui, c'est ça. Elle a glissé. Et du coup, voilà notre petite pochette toute brillante en argenté. Et ici, on a la version donc dorée. Donc, endroit paisible, jardin d'Éden, c'est trop beau. Il y a la Mais ne pierre. partez pas, on n'a pas fini. Ça vous plaît? Ouais, c'est top. Je vais juste vous montrer donc les modèles de taille au-dessus avec les mesures. Attention, préparez-vous à noter les mesures. Je vais les laisser là, celles-ci, comme ça vous allez avoir des éléments de comparaison. Ne bougez pas. Nathalie, ça te plaît? Super. Mumu aussi, c'est top. Merci, fais tout. Alors, je vous rappelle, je n'ai pas décoré, hein, c'est vraiment pour vous montrer la dimension. Ici, on est sur une pochette, les Dalton le retour. Tu as raison, Nati, c'est exactement ça. Nous sommes ici sur la pochette moyenne. Si vous regardez par rapport à mon plioir, voilà à peu près ce que ça donne. Si je remets là, voyez, à peu près. Voilà. Donc ça peut être pas mal aussi pour mettre des choses un petit peu plus grandes dedans. Du coup, c'est assez sympa. Vous voyez? Coucou Marise, comment ça va? Non, c'est une exclusivité en live, ma rutine. C'est pour ça qu'il faut noter. Alors, je les mettrai peut-être sur mon blog, mais ça ne sera pas sur la fiche technique. Je me retiens parce que Lilina, t'as vu comment? T'as vu, j'ai rien dit sur le plioir. Oui, je constate que tu es sage pour le plioir. Mais je pense que je lui ai déjà répété l'autre jour. Alors, vous êtes prête à noter les mesures pour la moyenne pochette? Pour celle-ci, j'ai pris un tout, on est toujours sur des carrés, hein. J'ai ici un morceau de 22,8 par 22,8. Eh oui. Et les petites marques que nous avons faites tout à l'heure à 6 cm sont ici à 9. Donc pour la moyenne pochette ici, je suis à 22,8 par 22,8 et le pli de ce rabat là est à 9 cm. N'hésitez pas après le live à récupérer la fiche technique et puis vous pourrez aussi annoter la fiche technique pour le rajouter. Donc 22,8 par 22,8 et le pli pour ce rabat-là n'est plus à 6 mais à 9 cm. OK? Maintenant passons à la Big Mama. Vous êtes prête? Je vais décaler pour avoir de la place parce que je vous assure qu'elle est grande, hein? Ma routine, t'as noté? Ok, c'est parfait. Et voici la grande. Ticia, t'as tout capté. C'est Bon, ça. Fois un et demi ou fois deux. dans la famille, ça c'est la maman, ça c'est le frère et ça c'est la sœur. Maman, frère et sœur. D'accord, si tu veux. Et papa, maman et fille. Oui. On peut dans toutes les sortes de tailles. Oui, exactement. C'est ça. Ça fait un peu poupée russe aussi. Hein, parce que, voilà, regardez. Hop, on peut aussi les mettre les unes dans les autres. Pour celle-ci, ça vous arrive d'avoir
une feuille 30-30 qui vous reste d'un papier design et que vous savez pas trop quoi en faire? La solution est là. Ça, c'est une feuille 30,5 par 30,5 de papier design. Tout simplement. Alors là, encore moins de découpe, hein. Nathalie, oui, t'as vu, toute la famille. Là, le Père Noël sera généreux avec ça. Oui, effectivement, hein, ça c'est sûr. Dalton. Oui, nous avons les Dalton. Donc ici, nous sommes bien sur une feuille de papier design ou papier imprimé en 30,5 par 30,5. D'accord? Et tout simplement, les marques à faire pour ce petit rabat-là sont à 12 cm. 30,5 par 30,5 et la marque à 12 cm. Voilà, tout simplement. Ça vous plaît? Tu peux y mettre un bouquet de fleurs. Alors oui, pourquoi pas, un petit bouquet de fleurs des champs. Bon là, cette saison-là, ça va être un peu plus chaud patate, mais why L'herbe, au pire. De l'herbe, je ne sais pas. Voilà, vous avez vu, du coup, c'est sympa, hein? On m'avait demandé les plus grandes mesures. Voilà. Ça y est. La plus petite, c'était 15,2 par 15,2 et le pli à 6, Delphine. Tu auras la fiche technique après le live, t'inquiète pas. Ou des chocolats, mais bien sûr, toujours des chocolats. Toujours, toujours, J'avais toujours. fait le test avec deux chocolats, tu sais. Oui, avec des mini chocolats Milka qu'on avait mis dedans Ouais. aussi. Mais il y a plein d'options possibles, il y a plein de possibilités, c'est un vrai bonheur. Voilà, vous avez du coup tous les petits modèles, les grands modèles, les différentes versions. Voilà, des fleurs séchées, Sylvie, exactement, tu as raison. Des escargots. Ouais, ma routine, t'as bien retenu, hein? T'es une coquine aussi, toi. Eh bien voilà, vous avez donc toutes les mesures pour pouvoir réaliser des mini pochettes surprises ou des grandes pochettes surprises. Bon courage, ma Carelle, avec plaisir, m'a dit. On peut décliner à l'infini, il suffit de partir d'un carré. Exactement. Des branches de sapin avec des boules accrochées à une porte. Oui, exactement. Aussi, Patricia, t'as raison. Reste plus qu'à faire, mais oui. Ah, il y a des gourmands, bien sûr qu'il y a des gourmands. Et il y a des gourmands en deux. Carrel, t'as eu le temps de tout noter? Super, tu vas avoir le temps de le faire. Alors, tu pourras le faire après, c'est génial. Ça, c'est top. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, que vous aurez passé un bon moment, surtout pour les nouveaux et nouvelles qui nous ont rejoints aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas la promo qui ne dure que jusqu'à demain. Demain soir pour la promo saisonnière, elle se termine demain. Pour la promo nouvelle démonstratrice, ça sera le 30 novembre. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et puis voilà, si vous avez la moindre question concernant la promotion saisonnière, concernant la promo démonstratrice, les kits, les projets, peu importe, je suis là pour répondre à vos questions. Coucou Angélique, je ne vous avais pas vu. Oh Véronique, tu vas voir, c'est un live qui est très rapide, tu vas pouvoir voir en replay sans problème. Nathalie, c'était bien? Ah, je suis contente que tu aies passé un bon moment. J'espère te revoir très très bientôt la semaine prochaine. Avec plaisir, ma petite Patricia, je t'embrasse très fort. Héloïse, ah, tu t'es souvenue des escargots l'an 20? En plus, ils sont trop bons, eux. Oui, et ils en font, alors j'aime pas ça, mais ils en font chocolat noir et cœur framboise maintenant. Et praliné cœur amande. Là, par contre, cela, mon avis, ça va être quelque chose aussi. C'est plus un live de Scrap, c'est un live de un De live chocolat de Noël. complet. Merci Fatou, merci Rachel. Nathalie, avec plaisir, on se retrouve mercredi prochain. Alors, chaque mercredi à 14h. On vous embrasse tous et toutes très très fort. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Et puis, ben voilà, hein, chaque semaine, on se retrouve à 14h. Rendez-vous la semaine prochaine. Comme chaque samedi, dans le bon sens, c'est mieux à 11h, je vous dévoile le projet du mercredi suivant. Et puis, d'ici là, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. C'est bon pour toi? Oui. T'as passé un bon moment? Oui. Tu reviendras? Oui. C'est cool, là, viendra. Je vous embrasse toutes très fort. Coucou Muriel. Ah, c'est gentil Muriel. Je vois plein plein de petits messages de petits bisous et tout. Nous aussi, on vous embrasse très très fort.
Prenez soin de vous tous et toutes. Et puis, merci pour votre bonne humeur et vos sourires. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine.